Léa Lund nous présente différentes techniques de l'image avec des photographies mélangeant la gravure et le dessin. À l'angle de la rue Robert Doisneau et du 4 septembre, vous pourrez admirer le travail de la plasticienne. Nous avons rencontré Léa et Eric, son modèle, lors des rencontres à Arles. Les rencontres d'Arles, c'est un lieu vraiment qui mérite bien son nom. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas ailleurs. Et les gens sont beaucoup plus accessibles que par exemple à Paris Photo où les élites restent plus entre elles. Ici, on peut rencontrer tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important ici à Arles. Pas de la photo, je pose, c'est Léa Lund qui est la photographe et je fais que ça, je suis son unique modèle, à part des fois elle fait des photos d'artistes, des portraits d'artistes, mais je suis son modèle unique, il est ma photographe unique. Unique et préféré. Je refuse tous les photographes professionnels qui veulent prendre la photo parce que ici à Arles, hein, la session 2017, il n'y a que ça, qui veulent faire des photographies parce qu'ils voient quelqu'un d'assez atypique, ben, je refuse, à part les paparazzi qui volent des photos. Mm-hmm. Et par rapport à tout ce qui est professionnel, on a une ligne, un travail qu'on fait en commun. Je suis le modèle unique de Léa Lund et c'est ma photographe préférée et unique. Ok. L'atelier, tu as en Suisse, non, en Paris. Hein, oui, on a un atelier à Paris qu'on vient d'ouvrir en mars. Mmh. Ouais. En Suisse aussi. On a aussi un atelier en Suisse. Ouais. On est plus à Paris qu'à Lausanne en Suisse. Ouais. Et l'atelier, pour vous retrouver sur Paris? C'est à 13, cité du Pont, dans le 11e. Et un atelier visitable? Oui. C'est un local un peu comme ici, où, voilà, ouais. Où on crée, on mange, éventuellement on dort, on expose des amis, on s'expose nous-mêmes. C'est un lieu d'échange, de rencontre. C'est un mini art à notre manière. C'est super cool, c'est dans une impasse, c'est joli, ouais. Et sympathique. Il se passe des belles choses artistiques. Ouais.